Salut à tous, c'est Yonix et non pas DSSWX9. Pour cette vidéo, je vais être un peu plus sérieux que la dernière parce que j'ai quelques explications à vous donner pourquoi je change de pseudo. Enfin, même s'il y en a pas mal qui doivent savoir pourquoi. Je l'ai dit pas mal de fois sur Skype. Comme vous voyez, c'est un live, enfin je le mettrai dans le titre. Live et explication nanana. Et un défi que je me suis donné. Essayer de faire un score positif au TAC 45. Parce que moi je ne gère pas trop sur Black Ops 2 en ce moment. Et encore moins au pistolet. Voilà. Bon, on va attaquer au sujet de discussion principale. Pourquoi ai-je décidé de changer de chaîne? Déjà, enfin pas de chaîne mais plutôt de pseudo. Déjà pour une raison simple que, comment dire, il y en a beaucoup qui me disaient Fine Boy de Diablo X9. Et moi je n'aime pas Diablo X9. On va dire que même c'est le youtubeur que j'aime le moins. J'ai voulu changer de pseudo à cause de ça et parce que mon pseudo, je le trouvais, on va dire, un peu bourrave, un peu pourri. Même s'il y en a beaucoup qui l'aimaient bien dans mes abonnés, je l'avais vu. Pourquoi, vous allez voir dans la vidéo que je suis pas trop fort au TAC 45. Alors si je me fais vraiment éliminer comme je sais pas quoi, je change d'arme. Alors là... Je me fais complètement éliminer. Bon, on va présenter un petit gameplay au point, donc ça fait toujours plaisir. Et puis ce n'est pas à cause de ça aussi que j'ai changé de pseudo, c'est grâce à, comment il s'appelle, à Rémi qui m'a dit pourquoi tu ne changerais pas de pseudo. Parce que ton pseudo, comment dire, on va dire que c'est vrai, il n'est pas trop classe. Et puis, comment dire, pour le suite de ma chaîne, ça serait pas trop sympa que je dise toujours. Fait qu'on me dise fanboy de Diablo X9. Voilà. Je veux continuer à côté positif dans ma chaîne. Comme vous voyez, je me fais complètement exploser. Je vais essayer de m'améliorer en milieu de partie parce que là, comment dire, je viens de rentrer de chez ma mère et donc pour moi, faire un score positif. C'est presque impossible. Après voilà, il n'y a pas que le score qui compte, c'est surtout de s'amuser. Beaucoup de joueurs l'oublient. Ça c'est bien dommage parce que Call of Duty normalement ça devrait être un côté détente et non. Tout le monde s'en sert comme si c'était toujours quelque chose où on ne peut plus s'amuser. Et moi personnellement ça me comme en fait ça m'horrifie de, comment dire, comme exemple ce jeu il y a tout le monde qui rage de lui pratiquement. Et ça c'est bien dommage parce que en fait je vais vous dire pourquoi vous faites pas des bons scores. Rager c'est la meilleure solution pour pas faire des gros scores. Il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi, il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi. Dans cette vidéo, je suis pas là pour expliquer ça. Et en ce moment, ma chaîne, comment dire, ça avance pas mal. Moi, personnellement, ça m'a toujours autant plu de faire les vidéos, ça me plaît toujours autant. Les gens qui me suivent sur tous les liens, que ça soit YouTube ou autre, c'est toujours aussi sympa. YouTube, ça a toujours été une détente pour moi. Ça a toujours été mon côté plaisir. Désolé, attendez, je baisse juste un peu le son de mon casque dès que j'aurai le temps. Parce que je suis sur cap et je suis pas sûr que vous entendiez les bruits qui est derrière moi. Donc ça serait pas trop sympa pour la vidéo. Là, attendez 3 secondes, je vais récupérer juste la plaque qui est. J'y arrive pas. On va pas s'ennuyer juste pour une plaque. Même si sur Black Ops 2, merde, comme vous voyez, je m'habitue plus trop à Black Ops 2. Normalement, je suis, comment dire, assez fort sur BO2, mais comment dire, si je fais une pause de trop longtemps sur Black Ops 2, déjà que c'est un jeu assez difficile, je n'arriverai pas, comment dire, à suivre tout ce qu'il y a. Qui sera bien sympathique, mais bon, je l'aurai pas parce que je
pas le season pass. Donc s'il y a quelqu'un dans mes abonnés qui a le season pass, je vais acheter. Que j'ai moi-même les maps. Après quelques petits enfin, je vais rester toujours sur PC Gaming, mais je vais grandir de comportement, je vais grandir assez du côté foufou, mais bon, pas sur toutes les vidéos parce qu'il y a voler, mais il faut voir directement comment ça va avancer. Marc, je vous fais merci quand même de votre confiance et de votre compréhension. J'espère que je crois pas que vous allez quitter ma chaîne juste pour mon pseudo. Ça dépend de quelle personne. Fait assez comment dire con pour partir juste à côté de mon pseudo. Après comment dire j'ai aussi j'avais dit l'actualité là en ce moment j'aime plus trop jouer à Call of Duty. À mes abonnés s'ils peuvent pas me présenter des gameplays d'assez bon succès sur le budget pour m'améliorer mes abonnés. Il faut aussi, vous inquiétez pas pour moi. D'assez bon gameplay bien sûr, c'est très difficile. Et eux n'acceptent pas des gameplays assez élevés. Après je dis merci à tous les abonnés qui me suivent sur Skype. Vous avez vu que l'intro tout ça, franchement ça a été, on va dire, assez difficile à le réaliser. J'ai passé, on va dire, mon week-end à faire ça. On verra un peu plus tard si je ferai des top 5 kills parce que ça, ça peut être sympathique de temps en temps que mes abonnés m'envoient quelques petits clips de vraiment plaisir. Mais pour l'instant, ma chaîne est que à 200 abonnés donc j'attendrai vers 9 abonnés. Déjà que comment dire, mes abonnés. Enfin, même sur Facebook, ils répondent pas trop. Sur YouTube, quand je leur demande de mettre des commentaires. Donc si vous pouvez mettre des commentaires, ça me fait très très plaisir. Parce que moi, personnellement, j'aime bien ça parce que mes abonnés passent de mes vidéos. Même s'il y en a pas mal qui m'envoient des messages, bien les croire. C'est la première semaine des vacances, je vais vous présenter peut-être, je vous dis bien peut-être, une vidéo tous les jours. Ça sera peut-être possible parce que si vous, ça vous dérange pas tant que ça, il n'y a pas de problème. Par contre.
Ouais, ça fait une vidéo que de 10 minutes, donc je vais vous présenter un autre gameplay dans pas très longtemps. Comme vous avez vu, je me suis fait quand même éliminer pas mal de fois. C'est bon, j'ai même pas encore le niveau 55, j'ai pas la N94 qui est mon arme préférée sur ce jeu pratiquement. Et toutes les autres armes je gère pas trop avec, donc là je vais essayer de débloquer ça. Voilà, parce que moi j'aime bien de jouer avec des assez gros score strike. Et puis ça à peu près tout, j'espère que la vidéo vous allez l'apprécier. Moi personnellement je l'apprécie beaucoup, mais bon je peux pas me mettre à votre place. Après, si vous voulez, s'il y a des jeux fixes dans mes abonnés, qui peut me faire beaucoup plus que moi j'ai fait, parce que en fait c'est des potes qui me les ont fait. Et voilà, l'intro, c'est aussi un pote qui me l'a passé, donc j'ai passé pas mal de temps sur le logo background. Mais après le reste, pas trop. Sur l'intro, j'ai mis juste le temps de plot. Mais ce week-end j'ai essayé de chercher le pseudo et tout, donc voilà. Bon ben c'est reparti pour un clip. Slums c'est ma map, on va dire entre guillemets, préférée, donc ça risque d'être beaucoup mieux. Après ça dépend aussi le niveau des joueurs en face. Après autre sujet de conversation que je voulais parler dans cette vidéo. En ce moment, si j'ai l'occasion de vous présenter des gameplays assez gros et aussi montrer mon côté foufou, enfin mon côté un peu autre là, j'espère que ça va vous plaire, ce projet que je fais sur ma chaîne YouTube. Enfin, ça sera qu'une seule vidéo, sauf si ça réussit pas mal, on verra. Le garde pas. Après j'espère que vous les appréciez tout le temps. Je me débrouille pas mal parce que en fait il faut savoir que maintenant même les drones j'arrive plus à les atteindre. C'est drôle parce que avant j'arrivais à gros massacre, et là en ce moment c'est la majorité de Call of Duty qui le savent, parce que j'ai pas de joueurs qui ont des difficultés avec sur Call of Duty, dont je pense que j'ai quelques trucs de lui, il a quelques difficultés à faire des bons gameplays. D'ailleurs je sais pas que bon compétitif, on va dire un peu plus. Enfin, je joue depuis le tout premier Call of Duty, donc je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y en a qui apprennent plus que moi. Si. Call of Duty. Les gens qui apprennent aussi. Ouais, bon. Donc, je me lance à des sujets comme ça. J'espère que les gens qui apprécient mon accent, vous l'apprécierez toujours autant. Il restera toujours. Enfin, moi j'ai entendu parler que. Après, sur les vidéos, vous verrez souvent moi premier parce que j'ai bon gameplay. C'est mon gameplay, mais c'est pas ça qui compte, c'est que. Si vous avez entendu ça au décalé, c'est normal parce que ça a l'air un peu dangereux. Je vais un peu me décaler. Bien sûr, je parle pas de gameplay parce que personnellement, ça n'a jamais été mon grand point.
gameplay, c'est pas le but de ma chaîne. C'est pas le but d'avoir, je sais pas, 30 d'or. Rien. Comme on dit. Le ratio il doit être à 1. Comme ça. Pas en dessous parce que je fais quand même un peu des stats. Donc, pas éclater sur tous les gameplay parce que normalement pour jouer c'est pas la stratégie encore en fait, c'est depuis le tout premier Call of Duty quand je joue on est des spawns tout le temps et en plus je sais pas pourquoi je des fois gérer, je sais pas si c'est la peur de mourir et souvent c'est à cause de ça que je meurs. Même si moi je suis encore en train de faire le Gucci, comment dire, je me reste quand même un peu. On va dire de passer partenaire avec Daymonia qui me passe un peu de pub pour dire que j'avance un peu plus vite sur YouTube. Moi personnellement, et même si vous le savez, c'est pas vraiment une sponsorisation. Donc en fait, pas trop de la pub. Vous avez quelques atouts dont ils vous font de la pub, vous avez 7€ de je sais plus quoi pour les abonnés. Je regarde un peu ce qu'il fallait avoir. Pour l'info, on peut passer partenaire avec eux à partir de 300 abonnés pour les youtubeurs qui ne le sachent pas. Comme je vous dis, normalement, il n'y a aucun atout pour moi qui peut passer. Et ça, c'est, on va dire, un atout pour moi pour que j'avance plus vite sur YouTube et que, en fait, c'est comme une chaîne communautaire, sauf que ça parle sur Twitter, Facebook et autres. Et passer pratiquement tout le temps et autres. Donc, ça peut être très intéressant. Je pourrais faire un bon gameplay mais là c'est que je me concentre mentalement sur le jeu, c'est ce qu'il y a de plus important. Et moi personnellement je trouve que c'est le meilleur gameplay, c'est plutôt plus sur les chaînes commentaires, sur les chaînes commentaires. C'est sûr que si je présente un gameplay comme je fais là à l'instant, je crois pas que ça. La fin juste pour vous. Alors on termine pour un gameplay de 26-20, c'est un bon gameplay, assez bon, et en plus je passe un kill cam. Bon allez, au revoir tout le monde, et j'espère que cette vidéo vous a plu.
n'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner et partager avec vos amis. Goodbye tout le monde. Enfin, même si j'ai pas l'accent anglais. Au revoir.